Mike Tyson, une légende vivante et un symbole de la suprématie dans le monde de la boxe, n'est pas un étranger au haut et au bas de la vie, tant sur le ring qu'en dehors. Sa défaite récente contre Jake Paul, un youtubeur devenu boxeur, a choqué les fans et les critiques. Mais dans chaque revers, il y a une opportunité d'apprendre, de grandir et d'inspirer. La défaite de Tyson nous enseigne des leçons précieuses qui vont bien au-delà du sport et trouve un écho dans tous les aspects de la vie. Voici à présent les leçons tirées de la défaite de Mike Tyson contre Jake Paul. Leçon numéro 1. L'ego est le plus grand adversaire. L'aura d'invincibilité de Mike Tyson était légendaire, mais sa défaite face à Jake Paul a mis en lumière une vérité importante. L'ego peut être la plus grande faiblesse d'un combattant. Au début de sa carrière, la férocité et la confiance de Tyson étaient ses plus grandes armes. Pourtant, un excès de confiance peut mener à la complaisance. Affronter un adversaire plus jeune et non conventionnel comme Jake Paul a pu sembler un défi facile pour quelqu'un du calibre de Tyson. Cependant, sous-estimer un adversaire, peu importe ses origines ou son niveau, peut entraîner des résultats inattendus. Cette leçon va au-delà du sport. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des moments où nous pensons que notre expérience ou notre statut nous rend intouchables. Mais un excès de confiance nous aveugle souvent sur la nécessité de la préparation, de la stratégie et du respect pour la tâche à accomplir. La leçon à retenir dans cette première partie, c'est rester humble, quelles que soient vos réussites. Chaque défi mérite votre plein effort et votre respect, car même les plus insignifiants en apparence peuvent vous surprendre. Leçon numéro 2. La réinvention est un voyage à vie. À 57 ans, le fait que Mike Tyson retourne sur le ring pour affronter un boxeur plus jeune et non conventionnel comme Jake Paul est un acte incroyable de réinvention. Bien que le résultat ne lui ait pas été favorable, sa volonté de s'adapter, de prendre des risques et de rester pertinent est un exemple puissant de croissance continue. La carrière de Tyson s'étend sur plusieurs décennies, allant de champion incontesté à icône de la culture populaire et, plus récemment, mentor et modèle. Cette défaite n'efface pas sa grandeur. Elle montre que la réinvention est un processus chaotique qui ne garantit pas un succès immédiat. Le courage de relever le défi en dehors de votre zone de confort est ce qui rend la vie dynamique et pleine de sens, n'est-ce pas? La leçon à retenir dans cette deuxième partie, c'est « La réinvention ne concerne jamais une seule victoire ou une seule défaite. Il s'agit de rester curieux, audacieux et prêt à évoluer peu importe où vous en êtes dans votre parcours de vie. » Leçon numéro 3, la valeur de la vulnérabilité. Mike Tyson a toujours été connu pour son honnêteté brute, qu'il s'agisse de son passé tumultueux, de ses luttes mentales et de sa croissance personnelle. Sa défaite face à Jake Paul n'y fait pas exception. Au lieu de se replier dans l'amertume ou le défi, Tyson a fait face à l'issue avec grâce. En montant sur le ring contre un adversaire plus jeune et moins expérimenté, il a montré sa vulnérabilité, sa volonté de risquer les critiques publiques et le courage de concourir simplement parce qu'il aime le sport. Dans un monde où les gens cachent souvent leurs imperfections, l'ouverture de Tyson à propos de sa défaite est un rappel rafraîchissant que la vulnérabilité est une force. Elle nous permet de nous connecter aux autres et inspire ceux qui craignent l'échec. La leçon à retenir, c'est la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Acceptez vos imperfections et vos défis comme des opportunités d'inspirer et de grandir. Leçon numéro 4, la puissance de la perspective. La défaite peut écraser l'esprit ou elle peut servir de tremplin pour la réflexion et la croissance. Les commentaires de Tyson après le combat ont démontré une perspective admirable. Plutôt que de s'attarder sur la défaite, il s'est concentré sur la joie de concourir et sur les leçons qu'il a en tirées.
Cet état d'esprit est la marque des champions, pas seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. En présentant sa défaite comme une expérience d'apprentissage plutôt qu'un échec, Tyson a transformé ce qui aurait pu être un moment bas à une source d'inspiration. C'est un rappel que notre perspective façonne nos expériences et choisir de voir les revers comme des tremplins peut conduire à une croissance personnelle. La leçon à retenir, c'est que la vie est pleine de victoires et de défaites, mais la perspective détermine si vous grandissez grâce à l'expérience. Cherchez des aspects positifs et laissez chaque revers vous enseigner quelque chose de nouveau. Leçon numéro 5, l'inspiration n'a pas d'âge. Pour beaucoup, le retour de Tyson sur le ring était un symbole des défis aux attentes. À un âge où la plupart des athlètes professionnels ont pris leur retraite, Tyson a prouvé que la passion et la détermination n'ont pas de date d'expiration. Bien qu'il n'ait pas gagné le combat, son effort a inspiré des millions de personnes à repenser ce qui est possible à tout âge. Que vous poursuiviez une nouvelle carrière, que vous vous lanciez dans un passe-temps ou que vous poursuiviez un rêve de longue date, l'histoire de Tyson montre qu'il n'est jamais trop tard. Son engagement envers la forme physique, la discipline et son amour pour la boxe nous rappellent que l'âge n'est pas une barrière. Seulement notre état d'esprit l'est. La leçon à en tirer, c'est que vos rêves et vos objectifs n'ont pas de date d'expiration. Restez passionné et déterminé et laissez vos actions inspirer les autres à faire de même. La carrière de Mike Tyson a toujours été plus qu'une question de boxe. Elle concerne l'esprit humain. Sa volonté de monter sur le ring contre Jake Paul à ce stade de sa vie nous rappelle que la vraie grandeur ne consiste pas à éviter l'échec. Elle consiste à se présenter, à prendre des risques et à apprendre de chaque expérience. Sa défaite ne diminue pas son héritage. En fait, elle l'enrichit en démontrant sa résilience, son humilité et son engagement envers la croissance personnelle. Le parcours de Tyson nous enseigne que les revers ne sont que les préparations pour un retour encore plus grand. Pour terminer, que vous fassiez face à un défi intimidant, que vous vous remettiez d'un échec ou que vous poursuiviez un rêve, laissez l'exemple de Mike Tyson vous rappeler que le succès ne se définit pas par le résultat, mais par le courage de se relever et d'essayer à nouveau. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à laisser vos avis dans la section des commentaires, car comme vous le savez, c'est toujours avec plaisir et le sourire aux lèvres que je lis chacun de vos commentaires. N'oubliez pas également d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus. Que la paix et le salut soient sur vous.